Dis, on passe avec les... J'ai goûté le gaz et il n'y avait pas encore. Et là, j'ai entendu, mais c'est plus pour les enfants. Donc, on vous plaît bien regarder combien en route les différentes démonstrations. Mais n'oubliez pas que vous avez toujours des enveloppes. Donc, là. Avec le nombre de. Là, on va rallumer et cette fois-ci, on va venir mettre l'équivalent d'un verre d'eau dessus. Et vous allez voir ce qui se passe. Tu vois, ils vont faire tout à l'heure, ils ne sont pas là. Tout simplement un problème mécanique, ce qui arrive aussi. Alors, comme le faux tripeuse tout à l'heure, en fait, si on intervient rapidement, on l'éteint facilement.
Or, nous, il faut environ une dizaine de minutes pour qu'on soit sur les lieux. Vous devez appeler, donner l'adresse, la bonne adresse, parce que beaucoup de gens ont des téléphones portables, mais ne savent pas forcément où ils se trouvent. Donc ils appellent sans savoir où nous diriger. Ensuite, quand on a tous les éléments nécessaires, on arrive sur l'intervention. Pendant ce temps-là, évidemment, la voiture continue à brûler. Et dès que nous arrivons sur les lieux de sécurité, on met avec la pression, donc ça ne doit pas arriver. Toutefois, avec la plaque d'immatriculation, on peut avoir le renseignement par radio de savoir si c'est un véhicule essence, gaz ou diesel. Donc, si c'est du gaz, on prend des précautions, on s'écarte. Et on reste derrière le véhicule, surtout pas, puisque c'est là où se trouve le réservoir de gaz. Si c'est une voiture essence, c'est un liquide qui est assez inflammable. Donc on peut éventuellement utiliser de la mousse si on n'en arrive pas à mettre. Et si c'est un véhicule diesel, alors là, c'est encore un peu plus simple. On utilisera de l'eau dans 90% du cas, à moins que le réservoir ne perce et qu'il y ait du gasoil enflammé qui se répand sur la chaussée. On mettra de la mousse pour être plus efficace, mais sinon c'est de l'eau tombée sur un feu de voiture, tout simplement. Alors vous voyez, il déroule d'abord les tuyaux, forcément, pour aller chercher l'eau au niveau du fourgon. Et voilà. Et donc maintenant, ils vont pouvoir commencer l'attaque du feu. D'abord à distance de manière à refroidir la voiture. Et rapidement, vous voyez que les fumées deviennent blanches. C'est la vapeur d'eau. L'eau au contact du feu s'évapore et ça donne une fumée blanche. On refroidit et on arrose à l'intérieur et c'est assez rapide.